Vous êtes avec Simbizi Wasemavumba. Et aujourd'hui, je suis dans un salon de coiffure à Nyakabiga, si c'est celui qui est la veine ici. Oui, tu es ma venue. Numéro 1. Numéro 1. Et c'est Amen. Alors pourquoi vous les artistes vous aimez chanter pour les filles? Ah, parce que tout le monde aime les filles. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Et mais l'amour est la fondation de la progression. J'aime les filles beaucoup. Tu aimes les filles pour... J'aime l'amour beaucoup. Ah, je suis amoureux de filles et pas des garçons. Tu étais en train de faire quoi? Ah, j'étais en train de faire mon coiffé, mes barbes. Mais moi aussi, je me sens à l'aise ici. Je fais le pédicure, parce que tu touches toujours les filles que tu aimes. Mais les filles venaient ici. Oh, c'est une strike qui m'a fait une pédicure. Oh, j'aime trop. Non, mon corps. Ah, tu sais que nous avons étudié ensemble. Arrêtez ce camingue. Même arrêtez ce camingue. Nous n'avons pas étudié le français, l'anglais, quoi. Non, 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 non. Nous avons étudié. Et puis nous viennent ma soupana, quoi. Les tournevis, la français ou l'anglais. Ah, ça, je l'ai trouvé dans la rue. T'as les diamants. Mais à l'ETS Kamenge, tous les cours, on suivait tous les cours en français. Je sais, moi je sais pas. Même les questions, tu les posais en français, professeur. Ah, horémé. Ah, maintenant je suis dans les cours. C'est pourquoi je me défends. Prévoir. Oui. Prévoir, c'est le verbe. Il me faut la pourquoi. Non, c'est pas pleuvoir. Ah. C'est que tu prévois dans l'avenir. Ok. Je prévois sortir des bocs de chansons comme Chenny, comme le Burundi sera comme l'état mondial dans la musique. Nous aimons les chansons de Rwanda parce que nous sommes comme on parlait la même langue. Le Burundi vient tout de suite. Mes gars, mes amis, mes filles, mes frères et mes soeurs, ma mère et mon père, je vous aime beaucoup. Vous allez voir la révolution de la musique burundaise. C'est très beau, mais c'est un peu bizarre parce que beaucoup d'artistes burundais ne savaient pas beaucoup de langues. Ils se débrouillent pour chanter. I wanna be with you. Mais toujours, vous chantez dans... Il ne peut pas parler avec un journaliste. Mais vous avez beaucoup de mots romantiques françaises. Vous parlez beaucoup. C'est que je négocie. C'est pourquoi. C'est parce que les artistes burundais aiment chanter l'anglais. Alors que nous avons colonisé avec les pays français. Bon, tu peux chanter comme ça parce que si nous entendons que les Rwandais chantent l'anglais, c'est parce qu'ils ont colonisé par les Angleterre. Il faut me correctionner vraiment. Ma langue est très satirée. Même Dajou est une star internationale. Même Maître Gims est une star internationale. Il a déjà fait en collaboration avec Lil Wayne, alors qu'il chantait le français. Pourquoi vous n'aimez pas ce que vous connaissez? Mais les Burundais doivent parler le Kirundi. C'est ça, c'est leur langue maternelle, c'est leur langue officielle. Non, dit beaucoup de langues. Tu as déjà entendu un Français parler le Kirundi, comment elle parle le Kirundi? Oh, tout le monde savait que je suis le roi des langues. Et maintenant? Et alors, tu vas mon saris? Alors, je vous remercie. Alors, partagez cette vidéo au maximum. Moi, c'était Simbi Wasemavumba. Et j'étais avec monsieur Kala. Bonjour. Un autre jour. Vous êtes avec Simbizi Wasemavumba. Et aujourd'hui,
Je suis dans un salon de coiffure à Nyakabiga, si c'est celui qui est la veine ici. 8e avenue. Numéro? Numéro, je ne sais pas. C'est peut-être combien? Hein? Numéro 1. Numéro 1. Hey! Aujourd'hui, c'est chaud. Je suis avec monsieur. Monsieur Kalao. Eh, hey, Kalao. Et à capella, s'il vous plaît, parce que tu es un artiste. Kanagato no wajaka, shaka, shaka chane. Ni wewe ni fuza kuombera, umutima urukau. Ese buya, nore kukagendu umutima, uogwaruka remba. Take my hand, baby, jana ushaka. So banana we, ijoro no mutaga. Amen. Alors pourquoi vous les artistes, vous aimez chanter pour les filles? Ah, parce que tout le monde aime les filles. Tout le monde et les filles aussi aiment les filles. Hein? Wow. Toi aussi. Et moi aussi. Hey. Comment? Tu dis que tu n'aimes pas les filles. Hein? Non, c'est parce que tu viens de dire que vous chantez pour les filles. Mm. Vous avez des sujets. Des sujets toujours pour vous chanter pour les filles. On disait que l'amour est la fondation. La fondation de quoi? Je ne sais pas. La fondation de quoi? L'amour est la fondation de la vie. La vie. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Mais l'amour est la fondation de la progression. De la progression. My God. Ouais. Hey, l'amour est la fondation de la vie, voilà. L'amour est la fondation de la vie. Alors, c'est-à-dire, tes inspirations, ça vient de cet amour qui est la fondation de la vie. Oh, j'aime les filles beaucoup. J'aime les filles beaucoup. J'aime l'amour beaucoup. Et c'est parce que je chante l'amour. Même fois, je chante l'amour parce que... Mais moi aussi, je suis amoureux. Tu es amoureux de qui? Je suis amoureux de tout le monde. Mais tu as dit que tu es amoureux de tout le monde, il y a les filles et les garçons. Mais je suis amoureux de filles et pas des garçons. Et pas des garçons vraiment. Pas des garçons. Des filles. Des filles seulement. Seulement. Alors, mais pour moi, tu as combien de compositions? Oh, maintenant, j'ai beaucoup de compositions. J'ai des chansons qui a déjà sorti. Ça fait 3. Mm-hmm. Et avec des collaborations, avec Nappy, avec Epiday Winner. Et tout autre. On dit tout autre. Exprime-toi. Tout autre chose. Tout autre personne. Mm-hmm. Ok. Sorry. Pardon. Ok. Je vous en... En fait, je viens de te trouver dans un salon de coiffure. Tu étais en train de faire quoi? J'étais en train de faire mon coiffer, mes barbes. Ça, c'est mes barbes et moustaches. Mes barbes. Mes barbes. C'est de me coiffer mes barbes. Chez docteur. Il y a docteur salon. Chez docteur. Il y a docteur salon. Il y a docteur salon. Ok. C'est quelque part 8e avenue, numéro 1, Nyakabiga 3. Comme ça. Alors, si je me trompe, pourquoi tu préfères cette salle? Je le préfère quoi? Parce que c'est un salon où préférable. Même toi aussi, tu peux le préférer. Mm-hmm. Si tu vois un salon qui se serait installé comme ça, avec des quoi? On dit quoi? Nisokudish, voilà. C'est très joli, voilà. C'est très joli. Alors, à part la musique, tu fais quoi dans la vie? Dans ma vie, je fais quoi?
Je fais le pédicure et manicure. Ouais. Ou bien tu fais le pédicure et manicure ici dans ce salon. Il n'y a pas ce service ici. Je le fais quelque part de, tout près d'ici. Mais pas ici. Mais bientôt, ça peut arriver. Je vais être ici ou ailleurs, d'autres. Est-ce que c'est facile pour toi de mélanger, faire la musique et aussi faire ces autres, les pédicures et manicures? Non, même les stars internationales font autre chose et à part de la musique et fait je disais quoi, et fait d'autres business à part de la musique. Mais moi aussi, je me sens à l'aise ici, je fais le pédicure et manicure. Parce que tu touches toujours les filles que tu aimes. Même les filles venaient ici. C'est une star qui m'a fait une pédicure. Et j'aime trop. Et même je l'ai dit, il faut aller. Il faut aller au YouTube. Ah, YouTube, au YouTube, pour faire un subscribe. Même si on disait alors pour faire s'abonner pour voir mes musiques Angela, My Sugar, Kinikita, Ketina, et j'adore comme Babifata, comme elle les apprend que je suis une star, que je fais une autre chose comme pédicure et manicure. À Konaga Somnye, dans une pancarte là-bas, je sais pas. Bien en fait, je sais pas encore pédicure et manicure, c'est quoi. Ok. Alors, je veux savoir sur ton parcours, surtout ton parcours scolaire. Tu es né où? Tu as fait où tes études? Ndugu yangu. Non, tu sais que nous avons étudié ensemble à l'ETSCA Mengue. Même à l'ETSCA Mengue, nous n'avons pas étudié le français, l'anglais. Non. Nous avons étudié, et puis nous avons étudié Supana, quoi, les tournevis. Je sais pas le mécanique. Mes chers amis. Vous nous voyez, vous nous suivez. Vous me suivez. C'est moi. Oh. C'est nous. Nous sommes ensemble. On est ensemble. Ok. Vous nous suivez. C'est Simbizi, c'est ma bombe. Oui, c'est Simbizi, c'est ma bombe. On disait comme ça. Simbizi, c'est ma bombe. Vous savez que je ne sais pas la France. À part la français. Ou l'anglais. Ça je l'ai trouvé dans la rue, dans les jamas. Mais à l'ETS Kamenge, on suivait tous les cours en français. Tous les cours. Est-ce que tu te souviens qu'on apprenait tous les cours sauf le Kirundi? Même non, on n'est pas fréquenté beaucoup si les langues, on a fréquenté beaucoup si la technique. Mais même les techniques, ça, tous les livres, tous les matériels, tous les fichiers étaient en français. Si je ne me trompe pas. Moi, je sais pas. Même les questions, tu les posais en français, professeur. Ah, oh, mais. Moi, je ne sais pas le français, l'anglais. Et ça, je me débrouille. Tu te débrouilles. Alors. Imagine, tu es un grand star, et puis tu te retrouves sur les plateaux internationaux avec des grands journalistes, des grandes télévisions que je ne peux pas citer ici. Alors, comment tu t'exprimeras alors le jour X que je ne connais pas quand tu te retrouves? Mais pas encore. Mais ça peut arriver même demain matin. Ah, maintenant je suis dans les cours. C'est pourquoi je me défends. Et je me défends. Je fais quoi? Je me débrouille. Alors. Je sais pas le français. Voilà. Ok. On est en 2022. N'est-ce pas? Quels sont tes projets d'avenir avec ta. Tu prévois quoi? Je prévois. Oui. Prévoir, c'est le verbe.
Il me faut la pourquoi. Non, c'est pas pleuvoir. Ah. C'est que tu prévois dans l'avenir. Ok. Je prévois. Sortir des bocs de chansons. Comme Chani, comme Kogling DJ. Ah, bocs de titres. J'ai beaucoup de chansons. Dans certains studios comme It is technology sound, Agape Records. Agape Records, my family, your respect for Agape Records. Mm-hmm. Et je dis merci beaucoup à Clovis et Danny. CEO. Danny Pro, il va venir après parce que Danny Pro, je le sens ici, dans mon cœur. Mais il a venu après parce que j'étais avec Clovis Pro, Agape Records. C'est lui qui a travaillé. On dit travailler. Hein? Celui qui a produit. Yeah, celui qui a produit, voilà. Celui qui a produit toutes mes chansons que j'ai. Que vous m'avez connu par mes chansons. Cause you are my sugar. C'est lui qui a produit mes chansons comme My Sugar, Angela, Nikita et d'autres qui sont dans le studio qui n'ont pas encore sorti. Et je remercie Danny Pro de The Beat. Je l'aime beaucoup, ce gars. Il a travaillé beaucoup. Bon, donc, je prévois que dans le passé. Hein? Dans le futur. Dans le futur. Okay. Dans le futur. J'ai prévu, c'est le passé. C'est que tu je prévois. Je prévois que le Burundi sera comme l'état mondial dans la musique. Mm-hmm. Et nous serons comme le président de la musique au Burundi. Mm-hmm. Je ne veux pas entendre Nigeria, Tanzania, Amérique, Espagnol, d'autres, Ouganda, le Tanzanien. Rwanda. Alors, nous disons que le Rwanda, nous aimons les chansons de Rwanda parce que nous sommes comme on parlait la même langue. Non, pas la même langue. Mm-hmm. Mon ami disait que il sait le Rwandais plus que le Burundais. Mais le Burundi vient tout de suite. Mes gars, mes amis, mes filles, mes frères et mes soeurs, ma mère et mon père, je vous aime beaucoup. Mm-hmm. Vous allez voir la révolution de la musique burundais. Okay. Pas trop tard. Mm-hmm. Très tôt. Okay. Alors, comment tu vois ma nouvelle émission? Ta nouvelle émission, vraiment, c'est un peu bizarre parce que. Tu trouves comment? Beaucoup de désastres. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Ah. C'est très beau, mm-hmm. mais c'est un peu bizarre parce que beaucoup des artistes burundais ne savaient pas beaucoup de langues. Ils se débrouillent pour chanter. I wanna be with you. Mais ils ne peuvent pas parler avec un journaliste. Mais vous avez beaucoup de mots romantiques françaises. Vous parlez beaucoup. Quelle est la première mot que tu as écrit à ta chérie quand tu étais là? C'est que je négure. Négure, c'est quoi dans le français? Négure. C'est que je négure, mon kiro, mon kifaras. C'est que je négure, c'est pourquoi. C'est parce que les artistes burundais. Aime chanter l'anglais alors que nous avons colonisé avec les pays français, il disait I wanna be with you, even Mambo Kamae, always
Tu ne peux pas dire le français vraiment. Tu ne peux pas transformer I wanna be with you en français. Et je veux être avec toi. Oh. Mais, ok. Et je veux être avec toi. Oh, je veux être avec toi. Bon, tu peux chanter comme ça parce que si nous entendons que les Rwandais chantent l'anglais, c'est parce que ils ont colonisé par les Angleterres. Les Angleterres. Mon ami, il faut me correctionner vraiment. Ma langue est très satirée. Mm-hmm. Très satirée, vraiment. Comment je peux dire? Mes amis, même Dajou est une star. Mm-hmm. Est un star. Mm-hmm. Même Dajou est un star mondial. Alors qu'il chante le est français. Une star parce que la star, c'est l'amour. C'est une mot féminin. Ah, ok. Merci de me correctionner. Merci de me. Même Dajou est une star internationale. Même Maître Gims est une star internationale. Il a déjà fait en collaboration avec Lily Wayne, alors qu'il chantait le français. Mm-hmm. Pourquoi vous n'aimez pas ce que vous connaissez? Mais les Burundais doivent parler le Kirundi. C'est leur langue maternelle, c'est leur langue officielle. Tu sais, mon ami, tu sais qui... Mais moi, ce que je suis en train de vous aider, c'est pour vous habituer sur des interviews devant la scène internationale. C'est ce que je suis en train de vous aider. Non, dire beaucoup de langues. Mon ami, tu sais pourquoi les Rwandais nous a quitté beaucoup, nous a laissé beaucoup. Mm-hmm. C'est parce que ils ont commencé à chanter le rwandais, la langue rwandaise. Uh-huh. Ils ont commencé à chanter la langue rwandaise. Même j'ai vu Mehdi, il était en 2019, il était en concert qu'on appelait ou quoi, Wasafi Festival. Pour ce festival, il a chanté Dora Turi Kumu Datandu Kana. Ça. Pourquoi les Tanzaniens ne savaient pas le Rwandais? Mais ils ont chanté tout le monde Dora Turi Kumu Datandu Kana. Parce que l'art n'a pas de langue. Hey, là, pas de langue, c'est bien. C'est ça. Qui me tient. C'est pour cela qu'il faut que vous professionnalisez à chanter dans votre langue nationale. Mais vous habituez à. Moi aussi, c'est ma faute, vraiment. Oui. Je chante le Kirundi, l'anglais, Kiswahili, mais je n'ai pas encore testé le français. C'est ma faute. C'est ta faute. Ah, je ne peux pas corriger les autres sans me corriger, mais en même temps. Hey! L'autre fois que je ferais une autre chanson, que je sonnais une autre chanson, je ferais le Kirundi et le français. Mm-hmm. Mais, attendez, j'ai des chansons qui sont dans les studios Tofaut, Banasemani. Dans différents studios. Et dans les différents studios où il faut d'abord entendre que j'ai ressorti. J'ai ressorti. Mm-hmm. Et après ça, je chanterai une chanson en Kirundi et en français. Ça, je le promets, mes fans. Voilà. Il s'appelle Kalao. Mm. Alors, à plus, je crois. À plus, quoi. On peut se revoir éternellement pour un vrai. Ok, on parce commence. Que on ne peut pas commencer, on va commencer après. Ah ok, on peut continuer. On commencera après. Hey. Ça sera dans un autre entretien avec toi. Un autre quoi? Entretien. Entretien de quoi? Entretien de la société. Non, c'est pas entretien de la société. Personne n'est entré. Entretien de quoi? Entretien avec toi. My God, c'était laissé, my friend, c'était laissé. Effacez tout ça.
je t'abris vraiment, mais c'est Simbizi, c'est vraiment, effacer tout ça vraiment. Pourquoi j'efface tout ça? J'ai dit beaucoup de fautes. Pas de problème, c'est pas talent. Même tu peux imaginer un Français parler le Kirundi. Tout le monde savait. Est-ce que tu as déjà entendu un Français parler le Kirundi? Comment elle parle le Kirundi? Oh, tout le monde savait que je suis le roi des langues. Et maintenant? Et alors, tu vas mon sari? Tu veux me publier? On veut te prouver la vérité envers toi. Ah, tu veux me publier avec beaucoup de fautes, vraiment. Non, c'est, je ne suis pas Kalao. Maintenant, je suis Kalao. Et ce qui s'est passé, c'était pas Kalao. C'était qui? C'était le copy. Alors, je vous remercie. Alors, partagez cette vidéo au maximum. Moi, c'était Simbizi Osema Vumba. Et j'étais avec monsieur Kalao. Vous pouvez aller consulter. On peut aller consulter tes pages. C'est fait déjà YouTube. Mes pages, c'est sur Facebook, c'est Kalao Blaze. Mm-hmm. Sur YouTube, c'est Kalao. On écrit comme ça. On écrit C-A-L-A-O. Ouais. Sur Instagram. Instagram. C'est Kalao. Partout, c'est Kalao. Instagram, c'est Kalao. Ok. Même TikTok, Snapchat. C'est comme everywhere ça. Everywhere, Twitter. So, je vous aime beaucoup.